Bonsoir les gens, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Bon, bah ce soir on rattaque les cochons, hein, que voulez-vous? Alors, ce soir, je suis tout seul pour l'instant. Normalement, je devrais être rejoint d'ici peu par Choco. Ah, en tout cas, non, non, quand j'ai dit rejoint par Choco, je pensais pas à ce chocolat. Ouh, ce chocolat, je fais des jeux de mots sans même en apercevoir. Ça commence bien, ça commence très très bien. Salut Thibaut, salut Cédric, comment allez-vous bien les amis? Donc, bah, comme le titre l'a indiqué, on est un peu dans la merdasse. On est dans la merdasse, mais on est dans la merdasse surtout parce que les cochons ont fait du lisier, tout simplement. Que j'ai étendu dans les champs à côté. Et comme je viens juste de passer une nuit, évidemment, là, je ne sais pas si vous avez vu, on va commencer direct, on a 72 cochons dans la stabu. Ce qui veut dire que nous avons... Où sont-ils? On a 24 nouveau-nés qu'il va falloir transférer dans du coup la nouvelle stabu qui est là-bas. Donc vous allez voir, il y a des petites nouveautés ce soir. On va. Alors attendez, parce que je crois que j'ai un acolyte, et non un alcoolyte, qui est arrivé dans le chat. Alors je vais activer Discord. Voilà monsieur, tout le monde vous entend. Comment vas-tu, Choco? Bienvenue. Bonsoir tout le Oh, on monde. t'entend loin. Il Ah, faut cette enlever le fois. micro de son orifice et le mettre devant ta bouche. Bonsoir. Salut, comment tu vas? Bon, bah, Oh, du coup, ça j'ai va du renfort ce soir, c'est bien. Ah, attends, moi je sans vais aucun remonter mon problème. micro parce que je t'entends pas bien. Est-ce que vous l'entendez bien dans le chat? Tiens, fais une petite phrase de Choco, voir si tout le monde t'entend bien. Bonsoir tout le monde, ravi d'être avec vous ce soir. Attention, attention, c'est parti! Il est chaud bouillant, il est chaud bouillant, il est chaud bouillant. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans le chat? Assez ballot ça. Ouais, superette, ouais, pas mal, pas mal, Thibaut, pas mal. Il y a joie qu'il y ait de l'humour ce soir. Non, bah du coup, je suis pas tout seul, t'as vu, il est arrivé au moment opportun. C'est bon, on l'entend pas beaucoup. Ah! Alors, attendez donc. Désolé. Ah, c'est peut-être un peu mieux là quand tu parles comme ça. Vas-y, réessaye pour Désolé, excusez-moi si vous m'entendez pas voir. bien. Ouais, en plus, j'ai déjà monté son micro au taquet. Alors, du coup, je vais être obligé d'augmenter un petit peu. Allez, on va mettre 3 dB 5. Normalement, vous devriez l'entendre un petit peu mieux. On t'entend pas beaucoup. Ok, bon, on va essayer d'arranger le truc. Alors au programme ce Dites-moi. soir, transfert de cochon. À toi direct. Direct, il a été chercher la nouveauté. Non, 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 on ira jouer plus tard. Il n'y a pas de parcours sur ce. J'ai pas encore fait de parcours sur cette map-là. Pas mieux. Non, pas mieux. Ouais, mais je pense qu'il parle loin de son micro, c'est pour ça. Tu sais, c'est les petits jeunes, ils osent pas. Il est encore timide. C'est nouveau, C'est le c'est soir, nouveau. les enfants dorment. Voilà, c'est ça. Non, on l'entend mieux là, t'as vu? Même moi, je l'ai mieux entendu. Alors, le premier qui dit qu'il a pas bien entendu, sous ma gueule. Hein. Ça change pas. Bon. Eh ben, vous avez qu'à mettre un peu plus de son sur vos enceintes, et puis c'est tout. Il faut qu'il enlève. Voilà, faut que tu l'enlèves de ton cul. Voilà, voilà. Cédric, il y a de la nouveauté dans les points de chaîne. Je te le dis à toi parce que je sais que c'est toi qui vas. Mais il y a de la nouveauté. Lancer les hostilités. Voilà, il y a un chouïa de nouveauté. Alors attends, du coup maintenant je t'entends trop bien. Hop, on va redescendre d'un dB et demi. Hop. Du coup, allez, Captain commence direct par pendant ce temps-là en Suisse. Ben, ça tombe bien, comme ça je vous mets un petit pendant ce temps-là en Suisse tout de suite d'entrée de jeu. Et puis, je vous explique ce qu'on se fait après.
C'est bien, ça me permet de faire des pauses coca et tout, c'est la classe. Alors, ça commence bien. Il est parti où? Il est parti où le choco là du coup? Hop, pas vu, pas pris. Ah, Regarde il les est là. nouveautés. Alors, les nouveautés. Stabu à cochon de base du jeu. Qui nous permettra de comparer un peu avec les stabus modés, parce que j'ai l'impression que les stabus modés consomment vraiment rien. Donc, voilà, ça nous permettra de faire un comparatif, sachant qu'on met un peu plus. Dans cette stabule-là, on est limité à 108, voilà, c'est ça. Donc dans les autres, c'est 80. Et le silo à patates. Pas de gros pendant 3 minutes. C'est pas mal pour commencer après ma pub suisse. Bah, vas-y, Thibaut. Hop, j'allume le chrono. Bon, ça va, d'entrée de jeu, pas de gros mots. Ça devrait bien se passer. Hop, chronomètre. Non, minuteur. 3 minutes. C'est parti. Pas de gros mots. Ni toi, ni moi, Choco, bien évidemment. Donc, un petit silo pour ranger donc nos betteraves et nos patates. Parce que bah c'est pas que, mais quand on en avait trop, on était obligé d'aller les vendre direct. Parce qu'on savait pas où les mettre. Maintenant, on sait. Donc ça, c'est pour les nouveautés. J'ai pas mal bossé dans le off. J'ai dû me faire 5 ou 6 heures de off, quelque chose comme ça quand même. Du coup, il va falloir, tiens, bah Choco, je vais te missionner le Deutz, la remorque à bétail à côté. Tu m'emmènes les 12, bref, je crois qu'il y en a même 20. Attends, je vais te dire ça, mais il me semble qu'il y en a 24 à bouger. Non, attends, c'est dans laquelle de Stabu? Ah non, ça doit être. Attends, je me trompe peut-être de Stabu, bouge pas. Ça doit être dans celle-là. Oui, c'est dans celle-là. Tu me prends les 12 plus chers ici, ceux qui sont à 695, et tu les emmènes bah, au marché de bestiaux de Aubelleron pour la vente. S'il te plaît. C'est sympa les nouveautés. T'as vu cette? J'ai pensé à toi. Hein. Ouais, le mieux c'est tu recules quasi jusqu'à la grille du fond et attends, bouge pas. Bouge pas, je te pousse. Après, faut que tu montes dans la remorque et que tu. Je sais pas si ça marche. Ou faut que je recule encore un peu. Non, peut-être que je recule encore un chouïa. Normalement, faut être sur le trigger. Là. Et bon. Non, j'ai pas la remorque. Attends. Si, regarde. Ensuite, tu te mets sur la passerelle. Hop, c'est bon, je les transfère, déplacer dans la remorque. Et voilà. Il n'y a plus qu'à les emmener. Je te laisse avancer, refermer tout ça. Et après, bah, du coup, il y aura la même affaire sur la stabu qui est juste à gauche, là. Ok. Pareil, les 12 à 695, les 12 matures. Et après, je te ferai transférer aussi de la première stabu sur les deux autres. Parce que comme il y a eu des nouveau-nés, la première stabu étant à 72, on peut mettre que 80. Si on les déplace pas maintenant, prochaine portée, on va perdre en efficacité. Bah ouais, c'est un peu fait pour, hein, Cédric, c'est pour ça que je t'en parle, hein. Si j'ai fait un petit peu de paille, hein, du coup le surplus pour l'instant, bah, je l'ai mis un peu en vrac à l'arrache. Hop, allez, les premières 3 minutes sans gros mots, ça c'est fait, bordel de merde. Ça c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme nouveauté? Alors attendez, je pense que ma femme m'appelle parce que je fais trop de bruit. Je suis à vous tout de suite. Bon, me revoilà. Me revoilà. En effet, je fais trop de bruit à la maison. Donc, je vais réduire un tout petit peu le son de ma voix.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les offres aussi? Tiens, pendant que j'y pense, la preuve par la crasse, j'ai récolté de la patate. Voilà, parce que c'est bien d'avoir une machine à récolter les patates et d'avoir un silo pour ranger les patates. Encore faut-il avoir le champ qui va avec. Donc du coup, j'ai acheté un champ, j'ai récolté les patates et j'ai revendu le champ. Pour l'instant, cette petite technique pour pas perdre trop d'argent. Donc le Valtra, vous l'aviez vu la dernière fois déjà, hein. Pas nouveau. Ça sent la tartine. Tu m'étonnes, mon petit Cédric. Fais-toi plaise. Après, n'oubliez pas de notifier la personne hein, qui prend les pénales. Hein. Il est là ce soir, il est là. Faites-vous plaisir. Bon, je dis ça, je dis Absolument, ce rien. sera absolument moins. Hein. Non. Baptême. J'ai juste envie de te dire baptême. Ce qui est bête, c'est que y a toi ou moi. Bon, étant donné que ce soir j'ai l'immunité, il reste toi. Donc allez-y, hein, lâchez-vous, faites-vous plaisir, les gars. Bon, généralement, c'est pas trop compliqué. Puis ça va, tu parles pas trop, donc encore. Ça. Mais après, ouais, y a des trucs très très drôles. Bon, toi, car tu fais trop de bruit. Non, j'ai l'immunité, ça. Monsieur Cédric, je vous prierai de ne pas commencer. Autrement, je vais venir remettre le bazar sur vos lives avec votre frangin. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, je voulais aller ranger le Valtra. Si j'ai racheté un tout petit peu de matos, je vais vous faire voir. Alors déjà, on avait racheté une sarcleuse, mais ça, vous l'aviez vu la dernière fois, normalement, dans le dernier épisode. Je vous la refais voir au cas où, une petite sarcleuse, hein, tout ce qui est de plus banal. Et j'ai racheté un petit peu de matériel pour le petit New Holland. Une petite fourche à balles pliable et un petit support à balles. Voilà, histoire de dire qu'on transporte nos balles de manière un petit peu plus RP. Du coup, qu'est-ce que tu mets? J'ai le temps de voir venir. Ouais, non, mais t'inquiète, je m'arrange avec ton frère. Fais pas le malin, va. Fais pas le malin. Ou au pire, je viendrai quand vous faites des lives à Beau et je me mettrai avec Fredo. Attention. Attention. Alors, du coup, je sais même plus ce qu'il faut qu'on fasse. T'es en train de t'occuper des cochons. Normalement, tout ça, c'est pas encore prêt. Là, c'est pareil, c'est pas encore prêt, ça sera prêt sur le mois d'octobre. Normalement, en gros, j'ai rien à faire, regardez donc. Donc, nos petits cochons, ceux-là viennent de naître. Ceux-là, ils vont partir tout à l'heure. Ceux-là viennent de naître aussi. Et là, normalement, voilà, on a aussi encore 24 nouveau-nés. Donc eux, on va les transférer dans les nouvelles stabus, dans la toute nouvelle stabu, les 24 là. Et nous referons des petits. Sachant que, pour mémoire, nous n'avons acheté que 24 cochons à la base. On n'avait acheté que 24. Est-ce qu'il y a des petits contrats sympas? Il n'y a pas grand-chose, hein. Pondage d'engrais de 28, ouais. Là, il nous manque du soja pour relancer l'usine, hein, du coup. Et voilà où on en est. Je vous remets un petit coup le PDA. Donc du coup, on a le 23, le 16, le 11, le 17, le 12, le 8 qui vont sortir donc en soja d'ici donc quand on aura passé une nuit. Le 9 normalement qui devrait passer en betterave sucrière aussi. Et puis ben après, faudra replanter la totalité, je pense, de nos plants, sauf peut-être
un ou deux, histoire de pouvoir faire peut-être un peu de betterave et de patates, mais ça m'étonnerait parce qu'on en a quand même beaucoup encore. Mais je pense qu'on va faire une grosse série soja. On se gardera peut-être juste un champ de chaque. Un champ de patates, un champ de betterave et tout le reste en soja, histoire de d'avoir un petit peu de marge. Parce que au début, on consommait quasiment rien. Mais là, si on regarde, il nous reste de la patate, il nous reste de la betterave, mais on n'a plus du tout de nourriture finie. Tout a été balancé dans les stabus. Bannir une action en jeu pendant 5 minutes. Pour qui? Pour moi, parce qu'autrement on va pas faire grand-chose. Hein. Sachant qu'il y en a un qui est dedans déjà, qui fait le transfert de cochon. Est-ce que voiture ça compte? Du coup, non. Non, c'est pas grave, au pire, je suis piéton. Du coup, je vais regarder où est-ce qu'on en est. Le tracteur est Là. remorqué. Ouais, c'est pour les deux. Bah, pour Pour les les deux, dans ce cas-là, il deux. n'y a plus rien à faire. Donc, c'est un petit peu embêtant vu qu'on fait du transfert de cochon. On va s'ennuyer pendant 5 minutes. Alors, attends, je vais lancer le chrono. Va rouler alors. Bah, il y en a qu'un des deux parce qu'autrement, ça met une pause pour 5 minutes pour tout le monde. Donc. Justement, ah ben on va se faire chier pendant 5 minutes. Eh ben c'est parti pour 5 minutes. Bah tu arrêtes ton tracteur et puis tu te balades. Ou au pire, tu sais quoi? On a le droit au pick-up du coup. On va aller faire les cons au pick-up. Je vais les emmener à pied mes cochons. Mais bien sûr. Je pense pas qu'on puisse prendre la remorque en plus avec le pick-up. Normalement non, c'est pas le même attelage. C'est un 3... Ah, quoi que c'est un 3 points sur le tracteur ou pas? Non, c'est une attache normale. C'est une attache? Non. Bah décroche au pire. Par contre, juste tu décroches, hein, t'as pas le droit de manœuvrer. Oui. On va s'arranger, on va la pousser. Quand je suis descendu, j'avais oublié d'éteindre le tracteur. À craindre. Ah. Nickel. Bon, attends, je roule pas avec, je peux juste l'éteindre. Non, ouais, tu peux l'éteindre, oui, ça. Oui. Tu peux même monter avec moi si tu veux. Allez, je t'emmène en balade. Ah, super. Ah, solution de secours. Bah, ça En compte, plus, il n'y a personne dedans. l'avantage, c'est comme c'est un tout-terrain. Eh ben t'as pas besoin de rouler sur la route. Ah, nickel. Du coup, tu peux couper comme ça, tu vois. Tu peux couper à travers les champs, tu peux rouler un peu où tu veux, tu vois. Du coup, tu te facilites un peu la vie. Du coup, tu balades un peu tes cochons, tu les remets un petit peu. Et du coup, Pas hop, t'as joli. vu? T'as vu? Oh, la classe. Ah, c'est l'avantage. Bah non, pour le coup, c'est un TLX, enfin classe, mais. Pour le coup, c'est plus facile. Bon, je laisse tourner, hein, c'est un véhicule américain. Hein. De toute façon, ça. Ça consomme, hein, obligatoirement. Alors, tac, on prend les 12 et on les vend. Voilà. Hop. Et on repart. Voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore vu le mode passager sur le TLX, là, ça donne papa et son fils. Voilà. Il y a le fiston là qui est sur le siège passager. Je C'est sais pas ça. pourquoi ils ont fait ça, mais cette barre de rire quand on a vu ça, c'est quand c'est En vue avant-hier. intérieure, il n'y a personne. Ouais, en vue intérieure, il n'y a pas de conducteur. C'est assez. C'est bizarre, c'est bizarre. Qui c'est garé là comme une merde? Attends, il y a des gens, c'est n'importe quoi. Hein. C'est. Oh Franchement, il y a je des comprends pas. agriculteurs. Les agriculteurs, c'est. Ils se garent, ils se cassent. Aucun respect pour les gens qui Aucun roulent respect. comme Ah non, ça. mais. Aucun respect pour. Voilà. Il manquait plus que le moteur soit tournant et puis alors là, t'as tout gagné quoi. Du coup.
Du coup, c'est ta deuxième fournée, hein. Donc, du coup, Ah normalement, oui. t'as fait les deux. Ok, donc là, on va juste faire du transfert. Bon, bah, on ira chercher le tracteur plus tard. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Tiens, je te laisse monter à l'arrière. Tu prends les 12 plus jeunes, par contre. Les 12 qui sont en 0 mois. Quoique. Attends. Attends, je dis peut-être une connerie, c'est peut-être pas judicieux ça. Non, prends ceux qui sont à 512 euros. Il y en a 24 normalement. Comme ça, ils vont reproduire. Quoique, non, c'est peut-être une connerie aussi. T'as rien transféré pour l'instant? Ou t'as déjà transféré? Non, rien. Prends ceux qui sont à 329 parce qu'ils sont bientôt pubères et du coup ça sera bien. Putain. Alors les 5 minutes sont passées, si on veut, on peut se resservir. Des tracteurs. Du coup, je regarde mon téléphone et je mange le mur, bien évidemment. Du coup, bah, du coup, au pire, si tu veux aller rechercher ton tracteur, ouais, merci. Le temps que je fasse le transfert et puis. Regarde donc, je vais même te la jouer à presque RP. Hop. Hop, déplacé. Salut cochon. Faudrait que je remette un petit arbre, un petit truc quand même. Oula. Attends, j'aurais voulu faire exprès. J'aurais pas réussi. Alors. Peut-être bouger la caméra un petit peu plus doucement, je vais faire vomir tout le monde à force. Ah ouais, non, mais j'avais mis des trucs sympatoches hein, pour ce soir. Hop là. Alors, on a dit ceux qui étaient à 323. Hop là, on déplace 12 de plus. Olé. Je crois que j'ai raccroché un peu à la sortie de la stab. Oups. Tiens, on savait pas trop à quoi il allait nous servir le pick-up, bah au final, on peut emmener les cochons avec. Hop, 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 on va mettre les barrières avant que certains essayent de se faire la malle, hein, mon cochon? Et on envoie cela in the stabilization. Ah, mais laissez-moi passer au-dessus. Manger. Hein? Alors, normalement, ils ont un Ah tout mais petit peu à manger. Ils ont 4200 balles. Bah 4200 litres. 4200 balles, n'importe quoi. 4200 litres, et de toute façon, bah, j'ai envie de te dire, on peut pas leur en donner plus s'il n'y a pas plus. Comme ça, c'est réglé. Y a pas plus à leur donner. Parce que bah on a plus de soja, et du coup, plus de soja, plus de mélange, plus de mélange, plus de nourriture. Donc j'ai essayé d'éparpiller un petit peu de la bouffe partout. Normalement, les trois premières stabus bleues sont pleines. Et l'autre, il y a 4000 et quelques dedans. Donc a que 24 cochons dedans, donc ça devrait peut-être pallier quelques mois. Mais là, de toute façon, on va pas avoir le choix. On va être obligé de passer une night. Hein. Là, je vais ranger le pick-up et puis on va voir si on passe une nuit tout de suite ou pas.
Hop. Alors, c'est chiant, on entend pas beaucoup le petit nouveau. Bah ouais, mais il parle pas beaucoup. Bonne nuit, Ah, Marjorie. désolé. Ouais, il parle pas beaucoup, il est timide encore, mais il est trop Oh. corporate, tu vois, il est trop je bosse, je bosse, je bosse, tu vois. C'est ça. C'est ça. Non, mais il est timide Il y a du encore. monde qui dort à la maison. Voilà, un peu comme moi, tu sais, s'il gueule trop, il va se faire accuser. À C'est ces ça. heures-là, faut dire aussi, c'est un peu logique. Ça va se faire des choses, se faire engueuler. Ouais, c'est ça. C'est bientôt Noël, les Même gens sont cocktail. excités. Alors, les cochons, là il y a 7000 litres, là il y a 4000 litres, là il y a 9000 litres, là il y a J'arrive. 9000 litres, hein, ça va être un peu, ouais. Ça va être un peu showtime. Niveau thune, on a un petit crédit. Alors déjà, on va rembourser. Je voulais rembourser tout à l'heure après la vente du terrain, j'ai zappé. On va rembourser une bonne partie du crédit. Voilà. Il nous reste 100 000 de crédit. Les contrats, on verra sur le début du mois d'après. Et là, on va. Oui, désolé. Ouais, c'est pas grave. Bah, du coup, on va passer une night. Hein. On va tout simplement passer une night. Il n'y a pas grand-chose à faire. Ça On peut me pas suis nourrir. fatigué. En plus, du coup, on peut pas nourrir les cochons parce qu'on a plus à bouffer. Il nous faut absolument récupérer du soja qu'on va récolter en masse. Donc, du coup, sur le mois d'octobre. Voilà, donc on va passer cette petite nuit. Mot interdit, IRL, toi tu vas tous me les faire. Interdiction de dire le mot pas. Oh mon salaud. Je le sens compliqué celui-là. Alors celui-là, je le sens compliqué. Je le sens très compliqué. Allez, 3 minutes, c'est parti. Il ne faut donc pas faire de faux. Voilà. Exactement. Exactement. Du coup, moissonneuse. Hop, je te laisse prendre un tracteur et une benne. On va commencer comme ça. Pour tous les deux, bien évidemment, mon petit Cédric. Hop, on va juste allumer devant, hein, pour l'instant. En attendant que le jour se lève. Le jour se lève. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé un peu la télé ce soir. Avant le live. Il y avait plein de bêtisiers ce soir à la télé. Et je suis retombé Sérieux? sur une sé je suis retombé sur une séquence culte. Ah mais t'es sérieux de ce que tu viens de dire? Ouais, je suis sérieux, ouais. Il y avait au moins trois chaînes qui faisaient des bêtisiers, ça. Et là, il y avait le classement sur M6 des 40 ans de je sais plus de bah des Perdu ou en quoi? gros des de quoi? Qu'est-ce que tu devais pas dire? Tu l'as dit. Je l'ai dit quand? T'as dit je sais. Hein? Si vous avez regardé la télé ce soir. Ah mais oui, bien vu. Bien vu, bien vu, ben j'ai perdu. Voilà. J'avais dit qu'il allait être compliqué, hein. Mais bon. Donc, Elle l'a dit dans le chat. Hein. ouais, non mais c'est bien vu, c'est bien vu. Merci Cédric de me. Je vais l'enlever cette option, hein. Tu me coûtes cher en bêtises. Ah là 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 là. Du coup, je suis retombé sur une séquence culte. Ah bah tiens, toi tu l'as dit aussi apparemment. Moi je demande à voir le VAR, mais on verra après. Bah. Aurait-il fait un faux? Et c'était la petite gamine là, qui était interrogée là, avec le faux détecteur de mensonges, qui répète ce que sa mère dit en voiture quand les gens lui coupent la route. Et la fameuse expression, c'était attends, c'était quoi déjà? Je vais t'arracher les yeux, tête de cul. Et quand c'est une petite gamine qui doit avoir 4 ans qui te sort ça, moi j'en ai encore pleuré de rire hein, tout à l'heure. Ça vaudra pas une mise à jour de Romain, mais pas loin. Pas loin, pas loin. Bon, ça devrait aller vite avec la barre de 7 mètres. On devrait gagner du temps. Il a changé. Ouais, t'inquiète, je vais pas l'enlever, Ced. Je vais peut-être juste
augmenté le tarif. Tu vois, j'avais augmenté un peu le tarif aujourd'hui en me disant, ah, voilà, mais allez, 3 minutes sont écoulées. Bon, ben, on a tous les deux perdu, hein. Voilà. Je devrais mettre un petit compteur de gagné-perdu, tu sais. Je suis pas Parce que sûr que je l'ai dit moi. Je je vois l'ai pas à fait quel sur. moment. Ah, faudra regarder les replays. Mais bon. Ah, mais il nous a fait pire. Hein. Nous a fait pire. Oui, autant Celui-là pour moi. encore. Bon, moi je me suis fait baiser parce que, évidemment, j'ouvre trop ma bouche. Mais il nous a fait pire. Au tout début, il nous a fait les. Je, tu, il, nous, il presque. Il nous a quasiment tout fait. Ça a été très très compliqué. Il y a eu des mots très compliqués. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit. Hein. Moitié degré. Pas le droit de dire le mot. Ah oui, pas con. Eh oui, tu n'avais pas le droit de dire le mot 1-1. Exact. Bah oui. Eh oui, dans la phrase, en fait, oui, tu. Ouais. Ok. Quel naze. Non, mais Bon. ouais. Bien vu. Bien vu. Et c'est là où il est bon, Ah c'est que oui. il trouve vraiment les mots à la con. Les mots qui t'es sûr de Bien te faire joué. baiser. Le pire, c'était le jeu. Oh. Et moi je fais le malin en plus. Ah Je ouais, ne non, mais c'est devais pas ça. dire le mot. Oh, tu devais pas dire le mot 1-1. Tu viens de dire le mot pas dans ta phrase. Voilà. Donc on a bien perdu tous les deux. Hein. On a confirmation du VAR, c'est bon. Il nous a éclaté tous les deux. C'est bon. Allez. En gros, ils viennent nous dire ferme ta gueule. En gros, c'est ce qu'ils viennent nous dire, celle-là. Quoi, qu'est-ce qui. Quoi, quoi, Bon, allez, gars? je vais y aller, Arbitrage? je vais me coucher. Allez, bonne nuit. Ah, mais attends, il y a pire. Attends qu'il économise 1000 points, tu vas voir. Tu vas voir la blague. Ah, va être violente celle-là. Ah, le coup des 1000 points là. Ah ouais, c'était pas comme ça, bien sûr. Et en plus, le mec nous prendrait pour un pour des débutants. Ah ouais, on va bien se marrer aussi avec celui-là. Bon alors après voilà, faut pour ceux qui ont pas tilté encore. Pour 1000 points de chaîne, vous pouvez nous imposer un mot à la fin de nos phrases. Alors c'est un mot, c'est pas une phrase. Hein. Mais bien sûr, en restant correct, hein, on va éviter les mots un petit peu limites parce que bah il est peut-être minuit 25 quand on fait ce live. Mais il y a des gens qui vont peut-être regarder les replays à des heures beaucoup plus correctes. Et du coup, on est tout public, entre guillemets. Hein. On est en PEGI 3, ne l'oublions pas. Je vais descendre sur le 12. Je vais aller sur le bas et on va remonter après. On va faire. Ah bah attends, on va faire 11, 12. Bon, je coupe à travers, il n'y a pas de chemin. Hein. Vous m'excusez, mais j'ai pas trop trop de choix. Après, on n'a pas l'écrasement des cultures non plus, donc on s'en fout un petit peu. Mais j'ai pas trop trop le choix. C'est le seul truc que je reprocherais un peu à cette map là, c'est que les chemins d'accès, il n'y en a pas beaucoup. Quand t'as certains champs des fois sur le milieu, bah tu sais pas comment tu y accèdes. Mais bon, ce n'est pas grave. S'il faut, on fera nos routes nous-mêmes. On n'est pas prêt. Ah, mince. Ça sent l'arnaque. Je pense qu'on va prendre très cher. Mais bon, si ça finit comme la dernière fois avec la mise à jour de Romain, où on avait perdu Captain, que moi j'en pouvais plus, j'étais en train de chialer de rire, et que ça s'est fini que même en regardant le replay, moi j'en pleurais encore derrière, moi ça me va. Moi, il n'y a pas de problème. Oui, non, mais je me doute bien que tu es en train de préparer ton 1000K, bah ton 1K comme il faut, t'inquiète pas.
J'attends juste de savoir quel mot va falloir qu'on rajoute à la fin de nos phrases pendant 1 minute. Bah pendant 3 minutes, pardon. Mais je pense que ça va être bien violent encore. Oh, je reste pas longtemps, encore 5 minutes pour moi, après j'arrêterai là. Hein. Ouais, pas de soucis. Parce que demain c'est le dernier poste. Allez, petite semaine de congé. Ah bah c'est cool ça. Il va falloir assurer encore demain. Ouais. Bon, c'est cool, après une petite semaine pour te reposer, c'est bien ça. Oh, ouais. Bah, tu sais, courir à droite, à gauche, aller manger. Ouais. Manger, boire, manger, boire, manger, Oh, ça va être boire. dur, hein. Ouais, manger, boire, ouvrir des cadeaux. Oh, le truc relou. Bah, c'est pas Oh que c'est là. relou, mais je sais pas. Je suis en train de réfléchir à quand est-ce que je vais déculer, c'est surtout ça. Ouais, c'est ça le problème. Ouais, non, mais je comprends, je comprends. Moi en plus c'est un peu pareil, sauf qu'en plus le pire, c'est que comme en ce moment bah, j'ai pas mal de petites douleurs avec mon dos, mes jambes et tout ça, je peux quasiment pas conduire. Donc du Ah coup oui. c'est pas moi qui fais ça. Eh ouais, alors c'est problématique, tu vois. C'est bah, surtout pour madame que c'est problématique parce que du coup moi je conduis pas, donc. Mais du coup bah chacun mon tour quoi. Donc ouais. Je serais obligé de m'occuper de finir ces verres, tu vois. Non, ça va être horrible, ça va être horrible. Alors bien Ouais, je évidemment, comprends. avec modération, hein, les enfants, bien évidemment. Ouais, mais il est chiant, il s'incruste toujours celui-là. On en rigole, mais on va faire un peu de prévention quand même, hein. Allez, avec modération. Après, si vous n'avez pas de pote qui s'appelle modération, bah buvez avec qui vous pouvez, hein. C'est ce que je dis toujours, hein. Ah. Qu'est-ce que ça raconte? On y réfléchit à. Hop! Ouais, alors en plus. Alors Cédric en plus triche parce que Cédric il y a sa femme qui est à côté et qui lui donne aussi des idées. Et c'est pas la dernière. Hein? Pour ce genre de truc. Donc faut s'attendre à tout. Et puis quand il te dit on y réfléchit. Mef. Meps, ça peut vite, vite partir en sucette. Oui, c'est encore plus marrant. Bah, tu m'étonnes. Alors, par contre, je vous le dis tout de suite, je vais pas finir à 3 h du matin ce soir, hein. En plus, je vais être tout seul. Donc, me mettez pas des trucs trop tardifs parce que. Ou après, tu gardes de côté et puis, prochain live. C'est la fête, quoi. Du coup, prochain live, ça sera quand? Ce sera peut-être demain soir. Je ferai peut-être un petit dernier avant Noël. Et après, ce sera dans la semaine. Je sais pas trop quand. Après, ça va être les vacances. Bah, ça va être l'entrefaite. Ça va être compliqué l'entrefaite, je pense. Hein, donc, oui. Après. Garde pour plus tard, ça sera plus marrant. En plus, il n'y a pas grand monde ce soir, donc tu nous mettras ça un soir à minuit, à 1 h de bonne audience. Ouais. Tombé dedans. De quoi? Oh bah alors, je suis tombé dans le bâtiment. T'es tombé dans le bâtiment? Ah ouais, j'étais sur le toit et pouf, je Ah! suis passé par la fenêtre. D'accord. C'est original. Suis dans la laiterie au fromage. C'est embêtant. Ah bah après les modeurs des fois ne modent pas bah ne mettent pas forcément de collision partout donc et je sais de quoi je parle. D'ailleurs j'ai fait crasher ma map bien comme il faut là. J'ai mis 2 jours à comprendre le problème et c'est pas gagné pour l'instant. J'ai eu un gros souci de modding. Et quand j'ai trouvé pourquoi, j'étais un tout petit peu rage. Merci Giant. Mais merci surtout le format XML. Comment te dire? Comment bousiller ouais, je sais pas, une trentaine d'heures de boulot en 2 secondes 30. Ouais, je suis un peu dégoûté. Mais bon, pour la petite info, pour ceux qui l'ont vu, j'ai posté il y a quelques temps.
les dernières enseignes que j'ai créées sur Blender, qui est un logiciel de création 3D et que j'ai importé en i3D sur Giant Editor. Donc il y a eu le panneau pour interdit pour la zone interdite et le panneau de la station essence avec marqué Grim Energy en vert sur fond bois et tout machin truc bidule. Bon, jusque-là tout allait bien jusqu'au moment où en fait impossible d'ouvrir la map, impossible d'ouvrir la map sur Giant Editor. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Je regarde le fichier XML de la map, vérolé, il était tout blanc, impossible de le lancer correctement, et j'ai essayé de comprendre le pourquoi du comment. Et en fait, le fait que mon logiciel Blender soit en français, dans la case Materials, normalement, qui est écrit en américain, en anglais, là ça a été écrit en français, et en fait sur le E de matériaux, ils ont mis un accent, ce qui est normal. Le problème, c'est que le E accent n'est pas pris en charge par le XML. Et du coup, ça m'a juste flingué la map. Juste pour un accent sur une lettre. Sur 85 000 lignes de code, une lettre m'a fait sauter la map. Alors, je suis en train d'essayer de rattraper comme je peux. Pour l'instant, je n'ai perdu qu'une trentaine d'heures de boulot. Il a fallu évidemment que je réimporte mes enseignes que j'ai pas fini encore d'ailleurs, mais il a fallu que j'aille remodifier le nom des matériaux dans Blender pour c'est un merdier, un merdier. J'ai passé 3 jours à trouver le pourquoi du comment presque, bah, 2 jours et demi, une journée où j'ai juste pété un câble, j'ai tout failli envoyer voler, PC compris. Et donc pour l'instant la map n'est pas totalement sauvée, elle est partiellement sauvé, mais voilà. Et le pire, c'est que les sauvegardes que j'avais avant sont vérolées elles aussi, vu qu'il y avait déjà l'enseigne dedans. Donc dès que j'essaye de les ouvrir, elles crachent. Donc que du bonheur. Merci Giant. Salut. Oui. Bah non, moi ça va, hein, tranquille. Donc voilà pour la petite info. Donc là, en ce moment, bah, lui, comment, ouais, l'île au volcan m'a fait un petit peu des nuits blanches là. Ça m'a pas mal trotté, ça m'a pas mal bien bien pris la tête. Non non, mais j'ai hein, des sauvegardes entre deux, cette, je te rassure. C'est juste que plus je reviens en arrière, bah, plus je perds du taf. Et le problème, c'est que bah, ces derniers temps, j'ai été relativement très productif et j'ai créé énormément de choses. Le marché aux bestiaux, par exemple, que j'ai rajouté. J'avais rajouté pas mal de décors, j'avais rajouté pas mal de trucs. Donc le problème, c'est que comme je me rappelle pas de tout ce que j'ai fait parce que c'est plein de petites choses, si je reviens trop en arrière, je vais obligatoirement en oublier. Et ça m'emmerde. Et du coup, j'essaye de retravailler sur la dernière, bah sur la dernière version, j'ai pas réussi, mais sur l'avant-dernière version que j'ai sauvegardée. Donc ça, faut quand même savoir que j'ai plus de 100 sauvegardes de la map. Et quand je dis 100 sauvegardes, c'est vraiment les sauvegardes que je fais toutes les 3-4 heures de boulot. C'est pas les sauvegardes intermédiaires, parce qu'il y a plus de 600 sauvegardes intermédiaires. Mais sur ces. Je crois que je suis à la 107e sauvegarde, un truc comme ça, 106 ou 107. Donc du coup, je suis revenu une ou deux sauvegardes en arrière pour essayer de sauver le truc, mais c'est pas encore gagné. Mais il me manque déjà des choses que j'avais rajoutées. Donc c'est un peu. Donc là, vous inquiétez pas si pendant les fêtes vous n'avez pas de nouvelles de la map. Hein. C'est juste que là, j'en ai eu vraiment très très gros. En début de semaine, je me suis arraché les cheveux à essayer de comprendre pourquoi, comment rectifier, qu'est-ce qui avait merdé, pourquoi. Donc, voilà pour la petite info. Donc, vous inquiétez pas, je suis en train de rebosser dessus. Hein, j'essaie de vous mettre pas mal de nouveautés. Mais c'est toujours un petit peu compliqué. Je vais faire 23 et après je vais revenir en 16. À la limite, ce que tu peux faire, tu peux aller jeter ça directement dans l'usine de bouffe.
Comme ça, on met l'usine en route. Si ça ne te dérange pas, monsieur Choco. Je suis parti déjà. Ok. Hop, je vais passer là le long parce que je passe pas entre les arbres. Hop. S'en fout, on roule chez le voisin. Et là, c'est chez nous. Alors, ce champ-là, on ne devait pas le garder à la base. C'est que quand on a voulu le revendre, bah, il s'avérait que on peut pas parce qu'il y a un objet plaçable dessus. Le problème, c'est qu'on n'a jamais rien mis sur ce terrain-là. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un des objets qui doit toucher le terrain, genre le pont, qui fait interférence, et du coup, on ne peut pas vendre le terrain 23. Une fois acheté, on ne peut pas le revendre. À savoir, hein, pour ceux qui voudraient jouer sur cette map-là, on ne peut pas le revendre. Non, bah, au final, t'inquiète pas, je perdrai pas tout, mais au pire, si vraiment j'arrive pas à m'en sortir, bah, je repartirai de la base bêta 2. Et ou un tout petit peu après, et je referai tout, mais du coup, t'es quand tu repars 50 heures en arrière ou 30 heures en arrière, c'est épuisant mentalement parce que t'as vraiment l'impression de perdre du temps, et en plus, quand tu refais quelque chose que t'as déjà fait sur une map, c'est juste décourageant. C'est juste ultra décourageant et c'est pas du tout motivant. Et surtout qu'en plus, bon, en ce moment, voilà, j'ai un niveau santé, c'est pas ça. Ça aide pas. Voilà, ça aide pas. Donc, c'est pour ça que là, voilà, là, ça fait depuis hier soir, j'ai dit je ne touche pas à la map avant Noël. Donc là, j'y retoucherai peut-être entre les fêtes ou au pire début d'année. Le temps que je ravale déjà le problème que j'ai eu. Bon, allez, voulou. Choco, je te mets pas dehors, mais si tu dois y aller, vas-y, hein. Pas de problème, hein, t'inquiète, hein. Je suis justement en train de regarder l'heure. Il est 37. Yes, moi je vais y aller. Sinon le réveil, ça va piquer. Je te mets pas dehors, mais je sais ce que c'est que d'avoir la tête dans le cul le matin. C'est ma spécialité en ce moment. Donc, Donc bah moi je te laisse. Je bah, te merci beaucoup. dis Bah, je te bonne dis nuit et bonne nuit au chat. si demain t'es dispo, peut-être. Je ne confirme pas. Hein. Je dis peut-être parce que on sait bien qu'un live un vendredi soir c'est toujours un peu compliqué. Donc on verra. Bah, je Ou te il y tiens aura au peut-être courant si du jamais. off ou on verra. Mais voilà. On se tient au jus, pas de soucis, merci d'être venu donner un coup de main. Ça Et je te marche. dis Bonne nuit à bon tous. courage pour demain. Salut, salut. Merci, à la prochaine. Ciao, ciao. Allez, bonne nuit dans le chat. Bonne nuit au chat. Alors, je vais juste quitter Discord. Comme ça évitera les interférer. Hop, et on continue. Ouais, du coup, Thibaut, t'as vu, je suis tout seul là. Là, pour le coup, m'ont tous abandonné. Choco vient juste de nous quitter. Bon, après, c'est normal, Choco, il commence dans. En gros, il bosse dans 6 heures. Donc, le temps qu'il aille dormir, tu vois, ça va lui faire une très courte nuit déjà, c'est très sympa. Oui, je vais prendre le. Voilà, je vais. De toute façon, il faut au moins que je récolte tout le soja. Et que je mette tout le soja dans l'usine. Parce que faut absolument faire de la bouffe pour les cochons. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, on va tout de suite réactiver l'usine. On va essayer de générer un petit peu de bouffe pour le temps que je finisse pour pouvoir nourrir un peu les cochons. Bah, à la limite, j'ai envie de te dire, gardez vos points, et puis si on se fait un truc demain ou entre les fêtes, balancez à ce moment-là. Hein. Gardez vos points, on se fera un jubilé à ce moment-là, au pire. C'est pas que je veux pas prendre les trucs, hein, les gars, y a pas de problème, hein, je m'en fiche, mais cumulez vos points, on rigolera vachement plus quand on sera plus nombreux, en plus. En plus, je pense que d'ici là, Captain aura sa CAX, donc du coup, il aura plus de problème de connexion.
Donc là, ça va être festival. Ça va être festival. Ouais, bah je me doute, je me doute. Je me doute, je me doute. Norton Security, mais vous avez le chic pour m'emmerder à des heures pas possibles, Norton, hein. C'est un truc de dingue. Ah, ça... Ouais, 270 hectares, ça fait beaucoup quand même. C'est pas mon truc, les champs comme ça. Déjà que même 2 hectares et demi, ça me fait chier. Alors, 270. 270 ou 27? Ah ouais, bah... Allez dans les paquets. Allez dans les paquets, Choco. En fait, il l'a déjà, il a tout, tout est chez lui. Mais le pire, c'est que... Pour la petite histoire, c'est que... La série X et son nouveau casque, tout va l'attendre sous le sapin. Mais ça fait un mois que ça attend sous le sapin, presque, pour certains trucs. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas repris les lives sur Twitch, sur sa chaîne Twitch, parce que son casque, bah, son micro-casque déconne tellement que le son est horrible en fait. Mais il reprendra bientôt, on fera peut-être des doubles live Twitch avec Captain bientôt. Bah ouais, j'aime bien votre petit délire, la ferme des frangins là. J'ai regardé d'ailleurs, tiens, tout à l'heure, je suis passé vite fait. J'ai lancé la map pour voir sur le PC. Alors après, j'ai quelques textures qui déconnent. Je sais pas si vous, ça vous le fait aussi. Mais elle est ultra éparpillée. J'ai pas eu le temps de vraiment. Je suis passé dessus quoi. Elle est peut-être 5 minutes. J'ai pas eu le temps vraiment de faire le tour parce que. Voilà, j'ai pas eu le temps. Mais au pire, c'est ton frère qui avait fait une vidéo de présentation, si je dis pas de conneries, c'est ça. Hein. Si c'est ça, il faudrait que je la regarde, sa vidéo, voir un peu de quoi ça cause. Ça sera plus facile que de découvrir tout seul. C'est pas la version finale. Ouais, c'est ça, c'est une bêta pour l'instant, je crois. Oh, t'inquiète, on devrait pas bouger, nous. Déballe demain soir? C'est quoi ce travail? C'est quoi ces gens qui déballent le 23 là? N'importe quoi. C'est vraiment des. Ils sont bizarres en Suisse. Hein. Alors, faut aller sur le 16. Ah, est-ce que je passe avec la barre de... Ouais, si je passe avec la barre de couple là. Je peux éteindre l'éclairage. Mais alors pour info, Captain a eu son premier cadeau tout à l'heure. Voilà, déjà. Et il a eu de la chatte parce que ça a pas dû jouer à beaucoup de minutes pour la petite histoire. J'ai envoyé un colis chez ses grands-parents. Parce que c'est pas que la Suisse, ça me coûte énormément cher en frais de port, mais je préfère envoyer en France. Et ses grands-parents partaient ce matin pour la Suisse. Et je pense qu'ils ont dû croiser le facteur sur la route du départ. Voilà. Et du coup, il a ouvert son cadeau tout à l'heure. Au pire, il vous fera découvrir en temps voulu. Vous verrez ce que c'est bientôt. Oui. Tu m'étonnes. Il a mangé un chocolat de plus dans le calendrier de l'Avent pour faire croire que qu'on était déjà le 24 demain. Ouais. C'est ça. Bon bah ça, et ça va pas mal avec la barre de 7 mètres hein, au final. Hein. Ça va plutôt bien.
Ça change de la 5-5, hein. La 5-5, ça commençait vraiment à devenir long. Bah, du coup, je t'attendrai, hein, Choco, pour le semi. Hein. Et je pense qu'on attendra aussi Captain, s'il est dispo. Comme ça, on aura de quoi se marrer. L'avantage du soja, c'est qu'on peut aussi le planter à la planteuse, pas qu'au semoir. Donc du coup, on peut se servir des deux machines en même temps. Du coup, c'est pas mal. Ou il va peut-être falloir que je vide arriver au bout, ouais. Et je ne dirais pas à cause de qui Ouais, si j'ai bien compris, alors Schizofab, c'est le mec qui a un des modeurs de la map, c'est ça? Moi, je connais pas les modeurs. Autant je connais bien le jeu, j'ai des heures, mais alors tout ce qui est mode PC, je m'y intéresse peu parce que je joue pas forcément beaucoup sur PC. D'ailleurs, en fait, je t'avais dit, Seth, j'ai retrouvé le mode que je cherchais la dernière fois et j'ai retrouvé du coup comment on s'en sert aussi pour le coup. D'accord. Oh bah du coup faut que je regarde son replay et comme ça au moins j'aurai un petit explicatif de la map, ça sera bien. Ça me permettra de comprendre un peu le délire. Parce que j'ai l'impression que c'est un gros gros délire en fait. À ce que vous avez expliqué un peu ce matin là. Et d'ailleurs le mode pour info c'est le store delivery qui s'appelle. Et voilà. Store delivery, tout simplement. Et en fait avec contrôle shift gauche je crois et t'as S t'as ouais t'as trois de toute façon t'as trois lettres en plus. T'en as un qui te permet de faire apparaître le rond, t'en as un qui valide et après l'autre qui réinitialise sur le point de vente de base. Tout simplement. Alors je vais pas te donner mon ressenti pour l'instant parce qu'il est pas fait du tout. Parce que je te dis, j'ai fait un survol, mais vite fait en plus en mode construction de la map. J'ai vraiment pas eu le temps de vraiment me dire, vas-y, je la teste, je joue dessus. Donc ce que je vais faire, c'est je vais regarder le live de ton frère. Je vais regarder son replay, voir ce qu'il a fait. Et ce que je ferai dans ce cas-là après, c'est je prendrai un pick-up et puis. J'irai faire un tour. Quoique, non, j'ai sorti mon Jeep. Bah, je vais sortir la Jeep. D'habitude, je roule toujours en pick-up, mais là. Bah, tu vas me dire, c'est un pick-up aussi, mais. C'est le petit Jeep Rubicon, je crois. Full carbone. Très très sympa et marche très très bien d'ailleurs. Ok, alors ça. Ces torpilles. On n'en parle plus. On va aller envoyer tout ça. On va regarder combien on a généré de litres. Là, on a 8000. Ah, c'est pas énorme, hein. C'est pas énorme. On a vraiment pas. J'ai pas l'impression d'avoir fait beaucoup de. Attends, on a sorti déjà. Ah ouais, mais on a déjà sorti 7000 litres de soja. 350, ça fait 300, 500. Ouais, on avait peut-être déjà dit 10 ou 12 000 litres. Ouais. On va voir, mais ouais. Je pense qu'on va vraiment se faire une session soja. On fait que du smid soja, comme ça au moins on est vraiment tranquille pour un temps. Puis si on en a trop, de toute façon après, on peut toujours stocker à côté. C'est pas un souci. Hop, on va se mettre ça. Là, prêt à laver. Hop, on va récupérer
le petit Valtra, le petit nouveau, le petit dernier. Bon bah c'est bien, on va avoir du boulot comme ça. Il va falloir s'occuper des betteraves, là ça va être une autre histoire aussi. V. Eh mais Choco, tu sais que toi tu vas mourir la prochaine fois? Tu le sais pas encore, mais tu vas mourir. Alors, on va essayer. Bon alors celui-là, je lance, hein, mais j'y crois pas. Ouais, celui-là, ça va être très compliqué. En gros, faut que je ferme ma bouche, parce qu'autrement, je vais dire des bêtises. Oh, je m'en fais pas, mon petit Ced. Ça va le faire. Welcome! Bienvenue. Welcome, welcome. Donc, notre 93e normalement, follower. Si je ne dis pas de bêtises, ça va, s'affiche pas de suite. Hein, ça. Alors, faut pas s'inquiéter hein, si ça s'affiche pas tout de suite. Déjà, on a eu l'alerte, c'est bien. J'ai envie de dire, Streamlab est en PLS en ce moment. Mais merci, merci de follow la chaîne. Objectif 100 follow. On y est presque, on y est presque. Alors, je vais ranger ça pour l'instant. Ah, bah j'ai perdu, je crois. Tu vois, et même moi, je sais quand je perds. Ah, voilà. Voilà, tu me l'as dit dans le chat. Hop là. Ah ouais, non, mais c'était sûr. Non, mais celui-là, il était couru d'avance. J'avais même pas besoin de. C'était voir si ça marchait, mais ça marche. Ça marche, ça marche. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Ah bah regardez du coup l'usine. Vu que j'ai perdu. On a 11 000. Ben voilà, on va aller donner à manger aux cochons. Ouais, non, mais c'est ça. Déjà, j'avais commencé juste en disant. Non, mais ça, de toute façon, c'était perdu d'avance. Je l'ai dit tout de suite, hein. Je le sentais déjà. Moi, de toute façon, au jeu du ni oui ni non, j'ai jamais été bon. Où vraiment fallait que je me concentre. Mais non, du coup là, voilà, c'est un peu le but aussi, c'est que je me rate de temps en temps. Hein. Allez, on va nourrir tout le monde. Oh, mon Dieu. Non, mais au moins ça vous fait marrer, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ah mais bien sûr, bah de toute façon si j'étais bon à ce jeu-là, ça serait même pas drôle, tu vois. Ça serait même pas marrant que je le propose, tu vois. C'est pareil, hein, les Truck Master Series, je vais inviter des gens qui sont pas forcément bons dans le pilotage, tu vois. Je vais pas inviter que des pilotes, tu vois. Autrement, il n'y a pas d'intérêt. C'est comme si, je sais pas, t'organises un concours déconnade sur Forza et t'invites les 10 meilleurs joueurs du jeu. Tu vas te faire chier. Hein. Ah, les mecs, ils vont te torpiller le truc en 2-2, hein. Mais tu vas te faire chier. Donc, non, faut. Regarde la DMZ. Regarde quand on va en DMZ sur Call of Duty. On le dit clairement dès le début qu'on n'est pas bon. Comme ça, au moins, quand on se foire, eh ben c'est vachement plus marrant. Et il y en a qui viennent nous voir que parce qu'ils savent qu'on va se foirer. Et c'est ça qui est encore plus drôle.
Donc je sais que vous mettez des mots interdits histoire que je me prenne des vôtres. Ouais, tu es en panne d'ordi, ben bien sûr, tu es en panne d'ordi. Alors, eh ben eux ils sont pleins, ça c'est cool. Ils sont comme moi dans 2 jours. Voilà. Comme Choco aussi, je pense. Mon Dieu. Noyel. Je sais pas ce qui m'attend moi cette année, tu vois. Autant il y a eu des années, on m'a demandé ce que je voulais, ce que je souhaiterais. Autant cette année, non. Surprise. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais surprise. Et vous avez commandé quoi, vous, pour Noël? Dites-moi un peu. Allez, les 3 premières choses que vous avez commandées, vraiment en haut de la liste. Ouais, bah ouais, je sais que vous aimez bien me voir galérer. De toute façon, c'est pour ça que les gens viennent me voir, hein. C'est quand je me rate et quand je me foire et quand je me tanque ou quand je me fais défoncer sur la DMZ, hein. Bah, c'est pour te dire, sur les lives DMZ, ça fait un bout de temps, on n'en a pas fait. J'ai un compteur de victoire et un compteur de défaite. C'est-à-dire que quand on arrive à gagner, je mets un petit 1 sur le compteur gagné, et quand on perd, je mets un petit 1 sur le compteur défaite. Ce qui fait qu'à la fin du live, on sait si on s'est plus fait ramasser que. Donc voilà, ça donne le niveau du gars, quoi, et de l'équipe en elle-même, quoi. Mais bon, là, je suis en train de me préparer des petites configs. Je devrais m'en sortir un peu mieux dans les prochaines sessions de jeu. Bon, ben on aura déjà cramé les 11 000. Ça va vite, en fait, à cramer 11 000 litres de bouffe à cochon. Bon, après, il faut dire, on en a pas mal, hein, des cochons, là. Bon, après, on a encore de quoi faire. On a encore 14 000 de soja. Ça veut dire que les 14 000, on va pas les manger complètement. On a un champ de betteraves à récolter. Bon, les patates, on est très très large. Ouais. On devrait s'en sortir pour cette saison. Mais on devrait être assez short, hein. Il va pas falloir trop déconner quand même. Après, si on a vraiment pas assez de bouffe pour les cochons, on en vendra un peu plus qu'il n'en faut, et puis voilà. C'est vrai que là, on a plus que 173 balles sur le compte. Ça fait léger, hein. Ça fait léger, ça fait léger. Du coup, on n'a rien en stock en plus. Alors, attendez, hop, on va aller regarder. Ah mais si, on a du blé. On est sur le mois d'octobre. On est sur le mois d'octobre, évidemment. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est à novembre, le colza. Ouais, il y a moyen de faire un petit peu d'argent. Mais bon, ça sera sur le mois prochain. Hein. Il est quelle heure? Il est 1 h du matin. Est-ce qu'on pousse le vis? J'ai quoi à récolte? La betterave, je crois que je me suis fait baiser bêtement. J'ai oublié de récolter la betterave sur le mois précédent et je pensais qu'on pouvait le faire. Ah non, c'est bon, c'est la patate. Oh, je viens de me faire peur. Po, 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 je viens de me faire super peur. Non, c'est bon. Oh. Frayeur. J'ai cru que c'était fané. Ils sont gros tes cochons, bordel. Ah oui, on va manger du cochon à Noël, hein, t'inquiète.
Merci, monsieur Cédric. Bonne nuit à toi aussi. Puis bah, à demain, ouais. Il y a de grandes chances. Alors, bah du coup, je me tâte, hein. Je me tâte. Qu'est-ce que je fais? On va le faire en deux passages. Ou en un passage. Allez. On va aller chercher le classe. Captain n'est pas là. On lui pique son matériel. C'est pas grave. Mais ça reste le plus gros tracteur de la ferme. Alors, du coup, on va s'accrocher de quoi dépanner. Et de quoi récolter. Alors, c'est le champ qui est juste derrière. Je vais m'attaquer tout de suite à la partie qui a ce burnas. Ouais, on va essayer de faire ça comme ça. Peut-être pas trop. Tu m'étonnes, te tâte pas trop. Tac tac, hop, voilà. Ah, ça va être relou, ça, à faire ce coin-là. Là. On sait pas du tout RP de rouler dans les. Et une fois aussi qu'on aura tout récolté, ils vont être contents les loulous dans la team, mais falloir ramasser toutes les pierres de tous les champs, les gars. On l'avait dit dans le dernier live ou dans les off, je sais plus, avec Captain. On va louer une machine. Alors, vous inquiétez pas, hein, j'ai pris la version modée en version large, mais on va se faire une session ramassage. Ramassage de cailloux dans tous les champs, donc sur la période hiver. Vu que va falloir de toute façon planter le soja, je crois que c'est avril. Ou non, c'est février, je sais plus, mais bon, il y a 2 mois où on est tranquille, donc il y a 2 mois où on aura le temps de le faire. Évidemment. Ça, je m'y attendais. Alors, moi j'ai une solution pour ça. On va faire ça. Vous faire voir. Une petite technique à moi. Vous la connaissez sûrement. Hein. Vous l'avez déjà sûrement tous déjà utilisée. Alors, est-ce que c'est accessible direct? Je ne me rappelle plus, mais on va bien voir. Ah, lâche. Voilà. Quand un arbre vous embête, prenez cet engin. Le Tribigun que vous trouvez sur le modhub, bien évidemment. Là, alors on va pas s'embêter, on va se faire une ligne. Hein. On va même mettre le gyro parce que ça va être violent. Hein. Voilà. Et on part en marche arrière. Alors j'aurais pu prendre le Valtra qui a la double cabine qui permet de se retourner, mais là j'ai eu la flemme. Hein. Voilà. Voilà. Allez, on y va. On va se faire toute la rangée, hein. Comme ça on sera plus embêté. Va me faire chier celui-là. Ah ouais. Ah, des fois ça tombe pas bien. Après, voilà. Et ça n'arrache pas les cultures, bien évidemment. On va y voir un peu plus clair là.
Alors, je m'étais dit qu'on allait laisser la végétation au début, mais quand ça nous fait chier, bah on rase, hein. Hop. Bon, après, s'il reste des souches, on s'en fout un peu, mais bon. Allez, comme ça, on aura déplumé. Je vais me faire les arbres qui sont au bout, ça m'évitera de m'embêter à faire des demi-tours aussi. Ouais. Quitte à éclater quelques arbres, autant éclater quelques arbres. Voilà, bon après, il y en a, c'est vite vite réglé. Non, c'était pas ça que je voulais faire. Là. Hop. Ah, bah là, on va être un petit peu plus tranquille. On va être un peu plus tranquille. On va aller se ranger ça. On aura la moissonneuse à laver si on s'ennuie la prochaine fois. Pour l'instant, c'est pas le cas. Faut que je lave aussi un peu le fent là, et un peu crado, on peut dire. J'ai fait la labour avec. Hop là. Et on va pouvoir retourner récolter. Hop. Nos petites betteraves. Ah bah c'est mieux là, d'un coup. On y voit plus clair. On y voit quand même beaucoup plus clair. Ouais. Par contre, il y a du rendement là où c'est moins. On est déjà à 49%. On va même pas faire un aller-retour, on aura déjà fait une. Après, on met pas grand-chose dedans. Hein. C'est pas énorme. Hein. On va pas avoir le temps de faire une trémie. C'est pas grave. La vache, si on fait un voyage. En plus, vous roulez et après ça se charge. Voilà, c'est ça le truc. Voilà. Alors, bah, du coup, on va retourner chercher un tracteur. Hein. On va prendre lequel? Ah, bah, tiens, allez, on va prendre un peu le Valtra. On va y mettre un petit peu d'heure dans les dents à hein, celui-là. Malgré qu'il soit d'occasion. Bon là par contre on va prendre la grande benne, la Kaweco. La masser. Elle est pas assez grande. Bon, l'avantage des betteraves c'est qu'on peut rouler dans le champ normalement. Ça ne gêne rien. L'avantage c'est que ça va très très vite à décharger. Et voilà. Hop. Du coup, ça, on va se le laisser dans le coin. Et on est reparti. On peut même se replier la buse. Alors, je suis pas sûr qu'on fasse tout le champ aujourd'hui. On s'arrêtera peut-être. On va peut-être faire un aller-retour. On s'arrêtera là. On finira ou dans les off ou dans le prochain épisode. On verra si j'ai le temps de faire du off. Peut-être demain matin. On verra. Ouais, 50, ouais, plus de 60% sur un.
Sur une longueur de champ, c'est bien, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. On va voir. Quoique si ça. On va peut-être pas mettre tant de temps que ça à le récolter. Voilà. Alors, hop. On reprend l'autre. C'est vrai que c'est pas de la grosse capacité, hein, quand on voit les grosses récolteuses. Ce qu'on peut charger dedans, est-ce qu'on peut charger dans les petites comme ça? C'est pas tout à fait pareil. Mais bon, on n'en est pas là pour l'instant, on est vraiment encore sur une petite ferme. Avec très peu de cochons. Peut-être qu'à un moment dans la série, on sera amené à acheter des grosses stabus. On verra. Ouais, pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Ça aurait été plus intelligent que je tourne dans l'autre sens. Ça aurait permis d'avoir toujours la très belle. La buse à l'extérieur, de manière à toujours vider à l'extérieur du champ et pas à l'intérieur du champ. Je pense qu'au bout, je vais faire demi-tour comme ça. Hop. Ouais, si je vais finir de récolter ce champ-là et puis. On arrêtera le live après. Pour l'instant, on fait de la betterave. Financièrement, on verra ce que ça donne. Je me suis mal placé. Alors, autant les patates, faut être limite loin de la buse, autant les betteraves, faut être en dessous. Ouais, ça se remplit quand même, hein. On a fait 3 trémies, ouais, 18 000. Donc on est sur du 6 000 à chaque fois. Hop. Du coup, je vais les vider tout de suite, hein. Vu que je suis dedans. Hop. J'allais les mettre dans le stock, mais non, on va déjà remplir l'usine. Alors, au niveau de l'usine, on en est où? On est à combien? On est pas mal, on est pas mal. Ça va remonter. Ouais, 28 000. C'est bien. C'est bien 28 000. Hop. On va s'arrêter là. On va switcher dans la classe. Voilà. Là, je vais finir la ligne et puis je vais repartir dans l'autre sens comme ça au moins. On va tourner avec la buse à l'extérieur. Ça sera toujours plus intelligent que l'inverse.
Alors oui, je relève pas les outils parce que ça va être plus long que de les laisser en bas. Et on va tourner dans ce sens-là. Ça devrait pas être trop mal dans ce sens-là. Et n'hésitez pas d'ailleurs, j'y pense, hein, j'ai un peu de temps, donc à follow la chaîne Twitch et à bien évidemment vous abonner à la chaîne YouTube. Ça fait toujours plaisir et bah, ça soutient moralement le bonhomme. Et puis n'hésitez pas non plus aussi à aller faire un tour sur les chaînes des partenaires, bah, des partenaires et des amis et tous ceux que vous trouverez dans la description. Il n'y en a pas beaucoup. Ils sont pas beaucoup. J'ai favorisé la qualité et la quantité. Après, il y en a d'autres que j'aurais pu mettre, mais si je commence à mettre tout le monde après, on ne s'en sort plus. On va mettre ceux avec lesquels j'ai le plus d'interactions. Et je pense que d'ici très peu de temps, on devrait voir aussi des nouvelles têtes sur la série. Alors sur la série, je sais pas si on fera sur la série ou on fera sur d'autres games, mais certaines personnes devraient venir jouer avec nous d'ici peu, des abonnés qui m'ont demandé gentiment. Donc je pense qu'on fera sûrement quelque chose. Salut GG, bah bien et toi, comment ça va toi de ton côté? Moi ça va pas mal. Je suis tout seul. On était deux tout à l'heure, je suis tout seul. Ils m'ont laissé tomber. Bon, après, il y en a un qui bossait à 5h30, donc bon. On peut pas non plus lui en vouloir de partir à minuit et demi. Hop. Mais bon. Il s'est barré juste avant les betteraves quand même, hein. Hop, et si j'arrêtais de rater mes betteraves d'ailleurs, ce serait bien. Ouais, c'est bien ça. J'aime bien cette petite config là. Bon, on met rien dedans, mais. C'est pratique quand t'as des petits champs. Ça demande un peu de puissance, mais c'est pratique. Alors on va se réaligner. Alors, on est sur European Countryside. Donc c'est décor suisse sur les extérieurs, comme tu peux le voir. C'est une petite map avec des petits champs, petit centre-ville très très cosy. C'est pas une grosse map, hein, tu vois, on est sur un petit format. Mais t'as une grosse partie village. Tiens, je vais juste donner une idée en mettant. Voilà, hop. Ouais, t'es sur du village à la Aubelron, très classique, très hop, voilà. Petit centre-ville sympa, il y a du resto, il y a le fournil, il y a du marché, il y a du grain, du tissu. Non, t'as tout plein de trucs. Bon, t'as un observatoire en centre-ville à côté de l'église. Hein. Bon, après, chacun son truc, mais voilà, ça donne un truc un peu sympa. Il y a une petite zone travaux pour le décor. Là, t'as une grosse usine. Alors, pour ceux qui veulent gagner 1 million, vous voyez les flèches là? Ben là, je vous spoil un peu le truc, mais juste là, il y a une cartouche à 1 million. Maintenant, je vous dis pas comment on monte, ce sera à vous de trouver.
Là, le marché bétail, t'as de la flotte, là t'as un petit truc. Et puis bah là, tu vois, t'as le BGA. Et puis nous, tout en haut à droite de la map, on a fait nos cochons. Donc on a 4 stabus à cochons, le petite usine pour faire la bouffe à cochons, un silo tout beau tout frais, le petit corps de ferme, voilà, un peu à l'ancienne, un peu nouveau, mélange d'anciens et de nouveaux matériels. Et voilà, on a, bah tiens, je vais te faire voir, on a un petit 155 New Holland, les anciens. On a un vieux Dutz 6,61, donc pas des grosses puissances. Le plus gros, c'est celui-là, c'est le 8,70. Donc par contre, on s'arrête à des tracteurs moyens. On prend pas de gros tracteurs. On avait décidé de faire que dans le moyen petit. On va dire ça comme ça. Hop, c'est ça que je cherche. Voilà, on a un Valtra, là, un T195, donc c'est quoi, 210 chevaux, je crois. Donc c'est pas des grosses puissances. On a un Fendt 824, les anciens, les favoris. Attends, je vais essayer de te faire le tour des machines. Ou peut-être un cage. Bon, c'est pas grave, on réalignera. Ouais, ok. Alors, là on a une petite Fendt, qui est en fait une Activia, avec une barre en 7 mètres des poussières. Bon, un petit TLX 2022, voilà, hein. C'est ce qu'il faut quand même, hein. Avec tout ce qui va bien. Donc ça, le TM, t'as vu. Le Dodge Spark, tu as vu. Le Class Action, tu as vu. On a un petit Gator pour saler, bah pour voilà, pour déneiger la ferme. On a donc le 824 en favorite, voilà, avec un petit bruit très sympathique. Et puis le Valtra que tu as vu. Donc voilà, on a fait le tour. On n'a pas énormément de tracteurs, on a 5 tracteurs, mais voilà, pour la taille de la ferme, ça suffit. On est sur du petit format. Avec bah, que des petits champs, tu vois, c'est pas des gros champs. Là, on a un champ de betterave à côté, on avait fait du soja pour faire la bouffe aux cochons. Donc ouais, petit champ, petite ferme, tracteur moyen max. Voilà, on est sur du voilà, du tradi pas trop violent quoi. On est bien équipé quand même, mais on n'a rien qui arrache le bitume quoi. On n'est pas des Américains sur ce coup-là. On est resté très très soft. Et du coup, ouais, on a déjà fait un petit peu de business avec les cochons. Bon, c'est pas super violent hein, les cochons niveau vente, mais bon, ça reste régulier quoi. Donc on verra, on rajoutera peut-être d'autres animaux par la suite. Pour l'instant, on n'a que du cochon. Après, le problème, c'est que si on veut rajouter d'autres animaux, ça nous oblige voilà, à défoncer un champ pour agrandir la ferme. Parce que déjà, cette ferme-là, moi, je l'ai montée en lieu et place de celle de base. Sauf que celle de base, elle est 4 mètres plus bas, normalement. On va dire ça comme ça. Donc on a tout reterraformé à niveau, histoire d'avoir un truc à hauteur de champ, quoi. Ça permettait d'éviter d'avoir des rampes à droite et à gauche pour monter ou descendre des champs. Et du coup, nous faire perdre un petit peu de place. Hop. Bon, 100%. On va se raligner. On va venir vider. Ouais, bah, du coup, ça aurait été vite, hein. Les patates, j'y ai passé je sais pas combien de temps. Et là, les betteraves, ça va quand même plus vite. Bon, après, c'est pas la même largeur. Mais bon. Surtout que les patates, comme la machine est décalée, on peut pas défaner et ramasser avec la même machine. C'est un peu con.
Allez, on est reparti, on va voir quoi. Deux. Ah, peut-être juste un aller-retour. Ah, ouais. Si on arrive à bien prendre la moitié, on a un aller-retour à faire et on va dire fini la betterave. Même s'il reste quelques tout petits oublis, c'est pas dramatique. On n'aura plus qu'à mettre un coup de charrue dans tous les champs. Et ramasser toutes les pierres derrière, bien évidemment. Et je pense que pendant qu'on y sera, on mettra peut-être un petit coup de chaud aussi dans tous les champs. On verra. On verra à ce moment-là. On n'en est pas là pour l'instant. Et 70%. C'est pas mal sur une largeur de champ. Ça fait des sacrées quantités hein, la betterave quand même. Après on a une trémie de 6000 litres, hein. C'est pas non plus une grosse trémie, 6000, c'est pas ultra violent. Mais ça permet de faire des petits champs quoi, sans trop de budget. Ah oui, en effet, à côté, ouais. On voit là où je suis passé et que j'étais déjà à 100%, que j'ai pas fait gaffe. Alors, bah c'est pas grave, on va refaire. Ouais, là ça va pas passer. Ce qu'on va faire, on va vider d'abord. On va vider dans l'usine de fabrication de bouffe. Voilà, le trigger est tout petit. Autant le modeur a mis un très gros carré au sol, autant le trigger est tout rikiki. Du coup, je passe par où? Je passais par la gauche. On sait bien, on aura quand même un petit peu rempli l'usine, parce que c'était un peu la bérésina, il n'y avait vraiment plus rien. Et plus de soja déjà dedans. Donc on en a remis un petit peu. Et là, on a fait. Tac, 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 tac. C'était celui d'après. Voilà, on a presque 27 000 litres de bouffe pour les cochons. Ça va nous laisser le temps de voir venir un petit peu. Mais ça va vite quand même. Ça va vite quand même. Hein. Faut tenir toute l'année en fait après avec. C'est ça le plus dur, c'est de tenir toute l'année avec. Ouais, faut que je refasse un passage dans l'autre sens. J'ai pas fait gaffe tout à l'heure que j'étais à 100% et là en fait on voit bien là que je n'ai pas récolté. Ce qui est en soi un petit peu embêtant quand même. Surtout vu les quantités que ça génère. Alors, dans un sens, on les voit bien, dans l'autre, on les voit pas. Mais bon, en théorie, ça devrait être là. Ouais, c'est ça. Si on les voit un tout petit peu, mais c'est pas. Ça saute pas au milieu du visage. Hein. Ça saute pas comme le nez au milieu du visage d'ailleurs. Salut Malox. Bienvenue dans le chat. Comment vas-tu? N'hésitez pas hein, d'ailleurs à rejoindre le chat, hein, je mords pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. N'hésitez pas à follow, à vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Oh, dis donc, il y a quasiment plus d'essence là-dedans en plus là. Ça, je vais l'arrêter, je vais le relever. Ça, je peux le relever, je vais l'arrêter aussi. Voilà. Hop, on va replier ça.
On va l'emmener à la file d'attente pour le lavage. Voilà, on va se garer ça tranquillement là. On va. Ah ouais, d'accord, à bouffe pour cochon, on va quasiment arriver en mode ça va déborder. C'est pas grave. Je préfère que il y en ait trop que pas assez. Ouais, il me reste une ligne qui est pas faite. Mon Dieu. Une toute petite ligne qui est pas faite. Bon, c'est pas grave. Hop. Alors, normalement, on va vérifier, mais hop. Bah, ce qu'on va faire au pire, on va arrêter la prod. Ça sert à rien de tout vider pour autant. Du contrat, bah, on en aura peut-être à faire un petit peu. Les cochons. Eux, ils sont à fond, ils sont à fond, ils sont à fond. Oh, quasiment. Il y a un peu de lisier. Ouais, c'est pas violent au niveau de lisier. Il y a quoi? Il y a 10 000. 8, 8, 8, 8, 16. Ouais, il y a 18 000 litres de lisier à peu près au total. Ça va pas aller tirer bien loin. Ça va faire un grand champ ou deux petits en épandage. Mais bienvenue. Bienvenue, Fredo. Merci pour le follow. Bienvenue, bienvenue. J'espère que vous allez bien, les gars. Alors là, le problème, c'est que vous arrivez un petit peu tard. Après, on arrive à l'heure qu'on peut. Mais là, il est 1h30. Je vais un petit peu écourter ce soir. Parce que je suis un tout petit peu complètement éclaté. Mais on refait un live demain, normalement. Donc. La suite se passera demain. N'hésitez pas aussi, bah, si vous voulez voir les replays. Alors il y aura les replays sur Twitch, bien évidemment, mais il y aura aussi surtout les replays sur YouTube parce que ça permettra de les garder vitam aeternam, alors que sur Twitch, il reste que 2 semaines. Voilà pour les petites infos. C'est pour ça que j'incite les gens à rejoindre la chaîne YouTube. On est un petit peu plus que sur Twitch d'ailleurs. Et puis vous avez aussi toutes les vidéos, tutoriels, etc. que j'ai pu faire, les objets collectionnables pour certaines maps, etc. etc. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour aussi. Évidemment, totalement gratuit. Il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de tout ça. Bah moi, il me restera donc les machines à laver demain. Au niveau des champs, on va refaire le topo. On a toute cette zone-là, hein, pour info, avec le 23 qui traîne ici. Tout est récolté. Et du coup, bah, on va être obligé d'attendre maintenant le mois d'avril. Non, j'avais bon tout à l'heure, hein, le mois d'avril pour planter le soja. On plantera aussi un champ en pommes de terre au mois de mars et un champ en betteraves sucrières au mois de mars aussi. Donc là, on va avoir 1, 2, 3. On va avoir 4 mois pendant lesquels on va avoir le temps de s'occuper, de remettre un petit peu tous ces champs-là, à neuf. Donc on va remettre un coup de charrue partout, on va ramasser les pierres, on va remettre un coup de chaux. Comme ça, les champs seront vraiment prêts pour le mois de mars. En plus, on n'aura pas de mauvaises herbes. Là, il y a déjà des champs qui sont quasiment prêts, mais là, faut ramasser les pierres. Non, on a de quoi s'amuser dans les prochains lives et dans les off. Donc voilà. Ouais, bah, je laverai tout ça dans les off. Ça nous a fait un petit live de quoi? Non, on est resté sobre, soft aujourd'hui. On a fait 1h50. Petit live, petit live. Bah, merci à tous d'avoir suivi ce live. Si vous l'avez pas suivi, bah, je vous le redis, vous avez les replays, n'hésitez pas. Vous avez la chaîne YouTube qui a exactement le même nom que la chaîne Twitch. N'hésitez pas non plus à aller y faire un petit tour. Je vous dis bah du coup sûrement à demain soir pour un petit live. Donc pareil, vers les 23h30, je pense. 23h30, ça dépendra, mais plus 23h30, je pense.
Et puis bah, après, on se retrouvera après Noël. On essaiera de se refaire quelques lives dans la semaine entre les fêtes, histoire de se faire plaisir. Allez, je vous dis à bientôt, sûrement à demain du coup. Merci encore à tous ceux qui étaient là et à tous ceux qui ont follow et qui ont participé au chat. Je vous dis à très bientôt. Salut, salut!